Et bien bonjour à tous, les amis, c'est vous, Jumper. J'espère que vous allez bien, les amis. Écoutez, moi c'est Tony Calcon, et oui, les amis, peut-être que ce zombie qui danse devant vous vous rappelle quelque chose, car aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour découvrir la nouvelle et immense mise à jour de Zombie Infection. C'est un des jeux que j'avais le mieux aimé, mais c'était vraiment le meilleur des jeux à l'époque sur Roblox, où on pouvait tout simplement construire une énorme base, où on pouvait tout simplement créer une armée de zombies. Et les amis, aujourd'hui, on va découvrir ensemble justement cette nouveauté qui ajoute non seulement des nouveaux zombies, mais en plus de ça, une map beaucoup plus grande et beaucoup, beaucoup de choses à découvrir. Oh, ça fait tellement... Attends, c'est moi où ils m'ont élargi là? C'est moi où je suis vachement grand? Oh, waouh! Ah oui, c'est vrai qu'effectivement, la map déjà d'une, elle a l'air quand même assez grande. Hein, je ne me souvenais pas qu'elle était aussi large. Donc, du coup, là, attendez, on va déjà d'une commencer par créer nos petits zombies. Comme vous le savez, c'est un petit peu le but hein, de ce jeu. Voilà, de créer la base. Voilà, tranquillement, t'inquiète pas. Je connais, je suis un spécialiste. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah oui, d'accord, je n'ai pas assez de sous, c'est vrai. Qu'est-ce que. Oh, ça a changé! Oh, c'est tellement stylé! Regardez maintenant! On crée le zombie mais avec des espèces de lasers. Donc là on a les jambes, ensuite on a le corps, ensuite on a les bras, et pour finir, la tête. Attention, elle est là, elle est belle. C'est quand qu'elle arrive? Ah la voilà. Bah oui, parce qu'avant il fallait tourner un espèce de truc. Oh, c'est tellement cool de créer les zombies comme ça. Bon, par contre c'est toujours autant galère hein, pour la première fois hein. Ça c'est clair. Oh, il y a même des mini-jeux et tout maintenant. Oh mais c'est génial. Zombie défense, Zombie Apocalypse Racing. C'est un truc de course, c'est ça, hein, voilà. Oh, what? Mais il y a déjà beaucoup plus de trucs qu'avant, regardez. Après, il faudra que j'ajoute un spawner de moi-même, voilà. Donc du coup, en fait, le but, c'est que les zombies que je crée, en fait, ils attaquent hein, les humains. Voilà, et plus on va vers le centre, plus les humains, eux, sont très forts, voilà. Donc là, pour l'instant, regarde, voilà. Là, ça va, là, on est tranquille. Est-ce qu'on peut s'occuper des... Ah oui, non, c'est vrai. On peut juste tuer les zombies des autres bases, voilà. Mais bon, là, pour le moment, notre zombie, voilà, il s'occupait déjà d'une personne. Hein, c'est déjà pas mal, what? Oh, mais il y a tellement plus de trucs qu'avant. Mais c'est un nouveau zombie infection en fait là, à ce niveau là hein. C'est vraiment ça quoi, parce qu'on avait déjà testé même le 2 hein, il y a un petit moment de ça aussi, allez vas-y. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Mais non. Mais c'est pas comme ça que tu vas attaquer les autres. Oh, l'autre il sort et il se ramasse la tronche par terre. Allez, on est reparti les amis pour créer encore pas mal de zombies. Et en plus là normalement c'est bon, regardez, on a 340. Ça veut dire que, attendez, je peux créer un spawner. Oh, c'est génial. Donc celui-ci ça veut dire qu'il est automatique et tout. Et en plus, il faudra que j'ajoute des défenses, parce que bon, va falloir éviter quand même que les autres joueurs envahissent ma base, bien sûr. Après, on mettra un mur, des lasers et des tourelles, tu vois. Après, on va se mettre vraiment, vraiment bien. Voilà, donc du coup, allez, je crée mon dernier petit zombie tout seul. Regardez, attention, il est là. Il est beau, il est magnifique. Voilà, et il n'est pas tombé, celui-là. Ça, c'est plutôt cool, voilà. Alors, est-ce que je peux en faire un autre ou pas? Oh, oui, un autre, regardez, à 200, là. Yes! Oh mais c'est génial, mais en fait tous les bâtiments, tout a changé quoi. Oh c'est tellement génial. Franchement, ok, donc ça sont des bases qui créent simplement des zombies automatiquement. Voilà, on est plutôt bien là, j'ai envie de vous dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Alors ça c'est des décorations il me semble. Est-ce qu'on aurait des murs à mettre, des trucs comme ça? Oh yes, c'est bon, regardez, ils sont en train de poutrer des... ils sont en train de poutrer des civils. Mais c'est génial. Et d'ailleurs ça tombe bien les amis, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a jamais fait, c'est de simplement acheter, regardez, les zombies spéciaux. On avait regardé le Exploding Zombie Spawner, parce que bon c'était avec des Robux, ça va, vous savez quoi. Étant donné que là c'est le grand retour sur Infection Zombie, bah, on va les acheter tous les deux, regardez. Oh là on va avoir des cyborgs. Oh ça va être trop cool. Ça va être vraiment trop cool. Oh regardez comment c'est trop stylé. Oh y'a déjà du monde qui me tire dessus. Viens là toi, viens te battre. Viens te battre, viens te battre. Je suis en train de le pourchasser. Je suis en train de le pourchasser. Allez, attention, c'est ma base, mon gars, ici. C'est ma base. Ouais, mais par contre, il faut combien de balles pour poutrer quelqu'un comme ça? Oh, what? Vous avez vu le zombie qui a explosé? Oh, attendez, on va l'avoir. On va poutrer le joueur. Faut qu'il... Parce qu'il peut buter mes zombies, hein, donc c'est pour ça, il faut que je le poutre. Eh, viens là. Tiens, et voilà, c'est réglé. Waouh, vous avez vu, regardez. Oh, ils ont des lasers et tout. Les cyborgs zombies. Oh, ils sont tellement classe. Ah, bah, il y a un petit problème là. Il y a un petit problème, et ça, regardez, c'est les zombies explosifs. Attention. C'est génial, mais ils sont tellement pétés, quoi. Waouh. Ah, ils sont stylés, hein, franchement. C'est des Terminators. Voilà, c'est ça, en gros, c'est des Terminators zombies. Voilà. Oh, et ben voilà, on est déjà à 1000 de crédits. Oh, excellent. Franchement, là, ça y est, notre armée de zombies est en train de s'agrandir. Et en plus, je ne connaissais pas ces zombies. Ok, donc du coup, regardez, là, on va mettre justement des protections pour empêcher que les joueurs essayent de rentrer tout simplement dans notre base. Voilà, et là, du coup, on va commencer, bien sûr, à acheter d'autres petites choses à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est ça, les escaliers là-bas? Alors, est-ce qu'on pourrait prendre... C'est quoi ça?
C'est des décorations. Oh. Non mais ils ont vraiment tout changé quoi. C'est vraiment ça. Les petites lumières. On va acheter les petites routes. Les, regardez, les trucs de zombies. Comment dire, comment on appelle ça? Ouais, les expériences. Ouais, c'est ça. C'est les expériences qu'on fait sur les zombies pour créer des zombies spéciaux. Hein, voilà. Oh là là. Alors plus on se rapproche du milieu, plus on va poutrer, hein, comme je disais tout à l'heure, des civils de plus en plus forts. C'est-à-dire que là, c'est des civils classiques. Et après, tu as directement la police, hein, tu vois. Et ensuite, les militaires. Et là, bien sûr, si tu poutres la police, hein, déjà d'une, hein, c'est que t'as des bons zombies parce que bon, ils se défendent, bien sûr. Mais surtout, ils vont obtenir, regardez, on va obtenir plus d'argent. Oh, wow, mais les cyborgs. Oh, mais ils sont trop pétés, quoi. What? Normalement, faut au moins avoir les zombies du deuxième ou troisième étage. Là, mais non, même pas. Là, on en a même pas besoin, quoi. What? Mais on va gagner tellement d'argent, les gens. C'est génial. Franchement. Ah oui, non, c'est vrai que là, on n'a pas le droit de passer. Là, c'est uniquement les zombies. Ok, bah écoutez, vous savez quoi? On va acheter absolument tout ce qui est en bas. Regardez, bam! C'est quoi ça? Oh, une petite tenue de combinaison. On dirait un astronaute, mais d'accord. Ensuite, ah, le scientifique. Waouh, elle me va tellement bien la blouse. Et grand comme ça, je suis pas mal aussi, hein. Franchement, ok, ça c'est une autre petite blouse un peu plus posée. Oh, oh, il y a carrément un scientifique qui bosse pour nous et tout maintenant. C'est génial. Ok, bah vous savez quoi, je vais prendre celle-ci, regardez. Non, pas celle-là, non, celle-là, voilà, regardez, je suis classe. Il manque plus que des lunettes et puis c'est bon. Ok, donc ça, ce sont les scientifiques qui sont en train de travailler justement sur les zombies. Oh, mais c'est génial. Et là, du coup, c'est quoi ça? Lab Clutter. Ah, c'est des caisses, d'accord, ok, très bien. Là, on aura aussi également les escaliers. Ça, c'est les câbles électriques, d'accord. Et les fameux escaliers, yes. Et là, regardez, on va pouvoir maintenant accéder à l'étage supérieur pour pouvoir acheter justement une nouvelle armée de zombies. Et surtout des nouveaux types, hein, de zombies. Voilà, alors déjà, il faut que j'achète l'étage, hein, qui coûte quand même 1000, hein. Mais regardez, on voit bien l'argent commence à grimper très, très vite. Oh, c'est excellent, franchement. J'ai bien fait de prendre les zombies TNT, hein. On est d'accord, j'espère que j'arriverai à poutrer l'unitaire. Parce que c'est vrai que c'est pas évident d'aller au mid, hein, c'est vraiment pas évident du tout. Ok, donc attention, il nous manque à peine. Bah c'est bon, voilà, on a assez, tu vois. Mais avant, c'était tellement plus dur, quoi. Ok, donc là, on a accès à un nouvel étage. Et les amis, du coup, on va pouvoir acheter cette fois-ci. Qu'est-ce que c'est? C'est directement. Alors attends, il faut que j'achète la route, c'est ça? Je vais prendre. Ah oui, voilà, faut que j'achète la route pour les zombies d'abord. Ah, je crois que ça coûte 300, regardez. Allez, dis-moi que j'ai assez là. Il me manque combien là? Ah, c'est bon, là, j'ai assez, regardez. Hop, voilà, et là, regardez, on peut obtenir des nouveaux spawners à zombies. C'est quoi, des runners? Oh, ça veut dire qu'ils vont courir vite, je pense. Oh, regardez-moi cette vue, les amis. J'ai la vue sur mon armée de zombies, c'est génial. Oh là là, regardez cette armée qui attaque en masse. Qui attaque en masse la police et aussi les civils. Ils ne peuvent rien faire. J'ai l'air tellement maléfique, tu sais, au-dessus, tu vois, comme ça. Ok, donc du coup, alors attendez, je vais acheter le runner zombie. Ouh, électricité et tout, très très bien ça. Très intéressant, donc ça veut dire que ça va être des zombies, à mon avis, très rapide. Ok, je vais en prendre d'autres ici. Ah là par contre j'ai plus de sous, là c'est la dèche, hein. Là on est dans le mal, alors attendez je vais les voir sortir. Enfin quand ils veulent, hein. Là j'ai l'impression qu'ils sont pas tellement pressés d'aller attaquer les civils. Oh je peux upgrade des zombies comme ça aussi. Oh mais je me souviens pas du tout de ça quoi, je peux même changer les skins. Non sérieux? Oh mais c'est excellent. What? Regardez on peut avoir, oh, on peut avoir des clowns dessus et tout. Wow, c'est génial tout ce qu'il y a maintenant. C'est ouf franchement qu'il y ait autant de... Allez voilà regardez. Ils ont... Je sais bien comment ils courent, rien. Attention, hein. J'arrive, je suis un zombie, hein. Terrifiant, tu vois. Voilà, et là, du coup, attendez, on va accompagner les zombie runners. Ah ouais, carrément, ils ont de l'électricité sur eux, quoi. Ah là, ça va être électrique, hein. Regardez, c'est le cas de le dire. Oh ah ouais, d'accord, ouais, ils leur foncent vraiment dessus. Regardez, ouais, ils courent deux fois plus vite qu'un zombie classique. Voilà, on voit bien la différence entre le zombie basique et les autres zombies. Voilà, et là, regardez, là, on a les civils. Ensuite, on a la police. Ensuite, on a le SWAT. On a le SWAT qui est juste ici. On a d'autres flics. Et là, on a. Les bases, enfin pas la base militaire, mais on a directement les militaires. Voilà, avec le tank qui est complètement explosé. Alors bien sûr, on peut pas les poutrer. On peut juste poutrer en fait les zombies ennemis. Voilà, donc là on peut rien faire, hein. Il faut pas rêver, voilà. Donc du coup, bah écoutez les amis, maintenant on a 1800 de crédit, hein, de cash. On s'est mis bien, allez allez les gars. Allez faut foncer là, hein, oh. Il faut attaquer, regardez. Il faut attaquer. Bon, bah, ils sont efficaces, ces cyborgs, mais bon, au bout de deux cibles, ils font plus rien. Hein, voilà, donc du coup, on est reparti. Direction, justement, bah écoutez, l'étage. On a 2300 de crédit. Alors, c'est sûr que plus vous allez avoir de zombies, plus ils vont aller loin. Hein, parce qu'ils vont pouvoir attaquer, justement, l'armée en question. Et surtout, on va pouvoir gagner plus d'argent. Voilà, donc ça, c'est bon, je le prends. Ensuite, je vais acheter. Je vais pas acheter le mur tout de suite. On va acheter ça, c'est quoi ça? Oh, c'est un bon moyen, effectivement, d'entraîner les zombies à courir. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont créé les zombie runners. En fait, ils les ont fait courir pendant des heures dans un tube en train d'essayer d'attraper le cerveau, tu vois. Tout comme un âne avec sa carotte. Et ensuite, là, qu'est-ce qu'on a? C'est la route, les lumières. Ah, sans plafond d'ailleurs, effectivement. Là, c'est quoi? Truc de recherche. Oh, mais c'est tellement bien fait ça.
Ok, là du coup, on va pouvoir acheter aussi également les lab clutter. Qu'est-ce que c'est ça? Fais un petit peu. Ah oui, c'est les caisses, c'est vrai. Les lab clutter, c'est les caisses. Et du coup, là, le mur, ça coûte 900. Ok, les amis, regardez, on a maintenant pas loin de 8400 de cash, quoi. C'est un truc de dingue, les gens. Et d'ailleurs, alors, j'ai été me renseigner. On ne peut plus, malheureusement, maintenant, tuer les zombies des autres bases. Hein. J'ai été, bien sûr, essayer. On peut plus le faire. Voilà, c'est uniquement, justement, hein, pour, tuer directement les joueurs, tu vois. Voilà, donc, du coup, on va acheter, le mur. Voilà, parce que là, de toute façon, il nous fallait un maximum de pépettes. Hein, il nous fallait de l'argent, tu vois. Voilà, donc, du coup, ça, c'est bon. Il est où l'escalier? Et où est l'escalier? Ou alors l'échelle, je ne sais pas. Oh, c'est là, c'est bon, regardez. Donc ça, on l'achète ça aussi. Voilà, bam, bam, bam. What? What? 2000, ça coûtait le... l'étage. Ah oui, effectivement, c'est un sacré truc, tu vois. Ok, donc là, il nous faut... alors, la zombie, paf. Voilà, donc du coup, c'est pour créer des... oh, des Hulk zombies. Mais sérieux? Et attends, il va y avoir les Avengers et tout qui vont débarquer. Oh, mais non, c'est un délire. Voilà, c'est les zombies géants. Ouais, par contre, là, c'est 2000, c'est ça. Bam. Ok, waouh, mais ça va être des tanks en fait, ça va être des... voilà, là, ils vont bien tanker, là, on va être tranquille avec, hein, ça c'est clair. Vous avez vu en plus, les amis, comment notre base maintenant, les gigantesques, quoi. Oh, c'est génial. C'est un truc de fou. J'ai hâte de voir quand même à quoi ressemblent un petit peu les ces fameux zombies. Oh, waouh. Ah oui, ça c'est... ah, ça c'est des zombies de muscu, ça c'est clair. Lui, il est énorme et sec. Alors, oh, bah tiens, deux en même temps, tu vois, deux en air, voilà, nickel. Pour le prochain, il nous en faut 2500 de crédit, on en a 2000. Oh, j'ai hâte de voir, attendez, on va les suivre. On va les suivre, je veux voir jusqu'à où ils vont aller en fait. Ça m'intéresse. J'ai envie de voir s'ils vont être capables justement, hein, d'aller buter justement les, tu vois, le SWAT. Hein, ça serait bien de le savoir. Par contre, ils sont extrêmement lents. Mais bon, c'est pas grave. Les autres, ils font diversion en fait. Ils font diversion. Mais regardez cette armée. Oh là là, personne ne peut me résister, tu vois. Ok, allez, vas-y, regardez. Là, ça explose. Oh là là. Non, mais là, c'est l'apocalypse. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, est-ce qu'ils font vraiment mal ou pas? Ah, c'est les jumeaux, quoi. Wow. Ah ouais, d'accord, c'est le plaquage. Le plaquage total. Hein? Mais pourquoi ils ont fini en miettes là? Pourquoi ils ont fini en miettes là? Ah, ça veut dire que peut-être à chaque fois qu'ils poutrent un civil. Ah, peut-être que. Bah écoutez, ça se passe comme ça. Bah en tout cas, bon bah voilà. Hein, on a pu les voir à l'action. Oh là, regardez ça quoi. Il y en a au moins. Non, mais il y en a 7 quoi. Oh, c'est un truc de ouf. Voilà, là ils ont réussi à avoir un policier. Allez hop, un civil. Allez, 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 faut aller plus vite possible. Regardez le SWAT. Ah ouais, le SWAT, c'est terrible. Le SWAT, c'est vraiment. Attends, est-ce qu'ils vont aller sur le SWAT ou pas? Alors, je peux pas les attaquer. Ah non, ils sont fait avoir avant. Non, ils sont pas assez résistants. Il faut que je les améliore. Attends, c'est quoi ça, upgrade? Alors, life. Pas... oh, ça va être ça. Ouais, regardez, là, on peut augmenter leur vitesse et tout. Oh, on peut augmenter les runners. Mais c'est génial. Alors, regarde, ils ont déjà la vitesse de base, mais. Oh, par contre, c'est extrêmement cher. Hein. Il y en a certains. Bah, écoutez, vous savez quoi? Avant d'acheter les améliorations des zombies, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement, bah, écoutez. Allez améliorer justement, acheter d'autres zombies. Allez, j'aime bien qu'il ait le SWAT. Oh, il va dessus. Oui, allez, allez, vas-y, va dessus. Oh non, il s'est fait avoir. Oh, ils sont dégommés. Ah, ils sont vraiment, vraiment dégommés là. Le SWAT, c'est... ah bah ça commence à être dur. Et après, c'est les militaires, tu vois. Les militaires, c'est le boss final, tu vois. Oh, je peux acheter une pancarte. Ça coûte 500. Fais voir. Ça fait quoi? Oh, ok, d'accord, ok, c'est voilà, c'est la pancarte de ma base, d'accord, très bien, ok, bon, du coup, direction l'étage, alors pas le premier, mais directement, du coup, le deuxième, voilà, on a 4000, c'est pas mal, donc là, on va pouvoir acheter des petites, bah écoutez, un autre Hulk Zombie Spawner, voilà, juste ici, ça, c'est quoi, ça? Ah oui, c'est les caisses. Les mecs, ça fait 3 fois qu'ils t'y retiens pas du tout, tu vois, ok, donc ça, on va acheter, d'accord, ah oui, c'est pour étudier, regardez, il faut qu'ils fassent de la muscu en masse, voilà, oh, c'est, oh! Il fait du tapis de course. Mais c'est trop stylé. Il y a même le truc de muscu et tout, c'est génial. Ok, alors là je pense que voilà, là il y a le bord, donc là bah, là on peut plus rien acheter de plus. Parce qu'après ça coûte un petit peu plus cher, bah c'est pas grave. On va attendre un petit peu que notre armée écoute un poutre un maximum de civils histoire d'avoir assez de cash. Ok les amis, regardez mon armée une fois de plus s'est agrandie. Alors je sais pas pourquoi, c'est parce que j'ai une trop grande armée sur le serveur, mais en fait le serveur il s'est carrément mis à bugger. Regardez-moi ça. Tous les Hulk que j'ai, quoi, c'est n'importe quoi. Donc du coup, bah les amis, on est parti. Bah écoutez, pour améliorer encore une fois de plus, eh bah écoutez, notre base, hein, voilà, regardez. Oh, ah oui, ça soulève de la fonte, à ce que je vois, tu vois. Ensuite, les lumières. Alors j'ai vu qu'il y avait le mur là-bas. Écoutez, on va le prendre, hein, 1000. Ouh, ah oui, ça coûte cher, ça coûte cher. C'est combien les escaliers là-bas? Oh, c'est 900 euros, ça va. Ah oui, non, c'est vrai que c'est l'étage qui coûte relativement cher, normalement. Voilà, ça, je prends. Très bien, je prends ça aussi. Voilà. Ah, à mon avis, ça va être juste. Hein. Ça va être chaud d'avoir assez, je pense, d'argent pour... oh, c'est presque.
C'est 2500, je crois. Ouais, c'est ça, il me semble. 2500. Bon, normalement, ça devrait aller assez vite quand même. Hein. Regardez. Ah, ça y est. Mon armée s'accélère un petit peu. C'est cool. Je vois. Non, mais regardez cette armée de ouf que j'ai, quoi. Oh, c'est un délire. Oh, ils vont jeter sur le flic. Ils vont se jeter dessus. Oh là 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 là. C'est génial. Franchement, c'est génial. Franchement, là, au niveau de l'argent, on va se mettre plus que bien. C'est moi qui vous le dis. Bon, là, normalement, c'est bon. Voilà. On va bientôt avoir assez d'argent pour acheter, justement. Et bah, écoutez, l'étage. Bam! Oh, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Ah, il faut que j'achète d'abord la route, histoire de pouvoir, justement, bah écoutez, obtenir les nouveaux zombies. Je crois que c'est 800, c'est vrai que c'est quand même relativement cher. Ok les gens, c'est bon, regardez, on va pouvoir acheter justement, bah écoutez, un nouveau spawner à zombies qu'on ne connaît pas, qui est bien sûr le Stalker. Oh, oh, il est là, attention. Oh, sympa le petit truc. Je me demande à quoi il va ressembler quand même, parce que bon, hein, pour l'instant mon armée elle est immense, mais j'ai l'impression qu'ils ont pas tellement envie d'attaquer le SWAT. Et d'ailleurs on ira tester aussi les mini-jeux, parce que bon, après le reste ça reste bien entendu de la décoration, hein, qu'on connaît bien entendu. Voilà, donc du coup, alors attention, je veux voir le Stalker. Alors à mon avis il va prendre un peu de temps à arriver quand même, parce que bon, hein, il faut le préparer, hein, ce type de zombie. Et du coup après, donc j'ai vu qu'effectivement il y avait une course et le zombie défense, et je me demande si on va gagner de l'argent tout ça en faisant ça. Oh, regardez, c'est les voitures. Oh, c'est les voitures qu'on peut acheter. C'est tellement la Mad Max, quoi, les trucs, quoi. C'est... Waouh. Il y en a tellement... Oh, le camion de pompier, quoi. Oh, le véhicule de guerre. Oh là là. Il y a même le tank. Il y a même un tank. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est totalement abusé, quoi. Sachant, regardez, quand même, la base, elle est plutôt bien, hein. Franchement, c'est le top du top. C'est moi qui te le dis, voilà. Ok, donc attention, le Stalker. Je pense qu'il va pas tarder à sortir. Il est pas sorti, quand même. Il me semble pas l'avoir vu tomber. Attends, j'ai un doute. D'ailleurs, de toute façon, il y a une technique pour voir à quoi il ressemble. Oh, waouh, il est tellement stylé. Et ouais, regardez, on a vraiment tous les zombies. Voilà, ça y est, on les a tous. C'est une valeur sûre, parce qu'avant, on avait des... Oh, regardez, il est là. Waouh, c'est une ombre, le truc. C'est une ombre. C'est que tout à l'heure, en fait, on pouvait pas tous les voir, mais là, on peut... Waouh, il est tellement stylé. Regardez, c'est... Non, mais c'est génial. Là, j'ai de l'armée, quoi. Oh, est-ce qu'il va aller sur le SWAT? Allez, souple, allez sur le SWAT. Mais foncez-le dessus. Oui. Oh non, il est passé à côté. Mais pourquoi ils vont si loin en fait? Je comprends pas. Pourquoi ils attaquent pas le SWAT? Regarde, moi j'essaye de l'attaquer, mais je peux pas l'avoir. Je peux pas l'attaquer. Alors attendez, on va tester justement le mini-jeu zombie défense. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas de zombie qui vous attaque, d'accord. Et ça c'est quoi ça? Ah, il n'y a pas de course, d'accord. Ok, en fait ma base, elle est tellement surpuissante qu'il y avait... Et voilà, il n'y a pas de zombies à défendre, voilà, enfin, il n'y a pas de base à défendre, il n'y a pas de course. Le mec, il est trop puissant, tu sais, il arrive, il a déjà trop une grosse base, du coup, il peut pas jouer, tu vois. Mais bon, j'ai vu aussi également qu'on pouvait acheter des autres armes, ça vous connaissez, regardez, par exemple, si je veux prendre ça, voilà, je peux totalement le prendre. Et du coup, alors, attends, est-ce que je peux l'équiper? Yes, regardez! Oh, le pistolet mitrailleur, voilà. Donc on a plein de trucs, on a même le sniper. Mais bon, étant donné qu'on peut poutrer que les joueurs et que quelques zombies, et que honnêtement, notre base, regardez, elle est tellement bien. Bah franchement, attends, oh, je te vois toi. Oh, tu voulais pas sortir, hein. Voilà, on est vraiment trop bien, hein. Franchement, y a rien à ajouter. On va essayer quand même d'acheter pas mal de petits trucs. C'est quoi ça? Oh, on ne sait rien du tout sur les données de ce zombie. Tu m'étonnes. Et là, c'est quoi ça? Ah oui, les pièces. Les fameuses pièces. Ah, bah, c'est la quatrième fois quand même. Et les amis, regardez, c'est bon. J'ai maintenant pas loin de 17 000 de crédit. On va pouvoir justement, regardez, acheter un autre spawner, un zombie stalker. Un autre ici, regardez comme ça. Yes. Et surtout, on va pouvoir acheter le toit. Oh, c'est génial. Regardez le toit. Oh, félicitations, tu as terminé ta base. Oh, mais c'est génial, on a terminé la base. Et ça veut dire que maintenant, on peut faire un rebirth. Oh, c'est quoi tout ça? Alors, attends, donc on essaie, d'accord. Ah, le rebirth. À 20 000, ah ouais, c'est pour recommencer à zéro. Et je crois qu'il me semble, si tu fais le rebirth, en gros, tes zombies sont 10 fois plus rapides, enfin 10% plus rapides, ils font plus mal, etc, etc, voilà, donc... Oh, un hélicoptère. On peut acheter un hélicoptère, les gens. Mais c'est génial. Alors, par contre, là, il me faut 3 000, hein, donc c'est quand même plutôt pas mal. Bon, le reste, hein, c'est des petites décorations, voilà, on essaiera de les prendre au fil du temps. Oh, regardez, ça y est, bah voilà, on a la plus grande armée possible, hein, justement, maintenant, parce que j'ai même les zombies... que j'ai pu acheter en Robux, donc du coup... Oh, par contre, c'est marrant quand même, ils foncent toujours dans le teint, hein. Eux, ils sont moqués, tu vois, eux, ils veulent c'est les civils. Ils veulent pas attaquer les militaires. Je sais pas pourquoi ils attaquent pas les militaires, c'est pas possible. Regarde, lui, là, il est juste devant toi, mais attaque-le. Attaque-le, bon, après, voilà, je pense qu'à mon avis, c'est un petit peu bugué, hein, on est d'accord. Attention, attention, on m'a acheté l'hélicoptère. Wow, wow. Oh, il est tellement classe, est-ce qu'on peut le piloter ou pas? Ah, j'ai pas l'impression. Ah non, la déception. C'est un truc en pierre en fait, c'est une statue, tu vois. Bon bah tant pis, bah écoute, c'est pas grave, on va acheter du coup. Qu'est-ce que c'est là-bas?
Une route, d'accord. Et là, du coup, c'était le je l'ai pas vu, mais c'était le radar, enfin le satellite énorme. D'accord, c'est pour envoyer les ordres aux zombies, en fait, tu vois. Ok, là, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a, alors, la porte qui est là-bas. Là, on a le Maginicator. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, waouh. Regardez, c'est pour créer des zombies stalkers. Je crois que c'est ça, ouais, parce qu'il me semble qu'il s'appelle comme ça. Oh, tellement bien fait, quoi. Et là, du coup, on a la petite route, les lumières, voilà. Et là, bien sûr, il nous manque seulement les petits câbles et la porte, voilà. Oh, et ben voilà. Et ben les gens, je pense qu'on peut dire, bah écoutez, qu'on a la plus grande base du serveur. Regardez, on a même un balcon qui était juste là. Alors, c'est moi où le zombie vient totalement de me pousser sans aucun respect, quoi. Non, mais c'est un délire. Alors oui, donc les seuls trucs qui manquent, là, c'est vraiment juste, bah regardez ces câbles là, voilà les câbles et les petites portes, enfin voilà, c'est pas vraiment des trucs extraordinaires, mais bon, hein, c'est uniquement de la décoration. Regardez, je vais le prendre quand même dans le doute, c'était où? Ah oui, voilà, il y avait juste la porte et ça c'était des caisses, voilà, c'était juste des caisses, voilà. Et bah écoutez, et bah les amis, bon, on va s'arrêter là du coup pour cette nouveauté sur Zombie Infection. J'espère en tout cas les amis que ça vous a extrêmement plu, je vous invite justement à lâcher votre plus gros pouce bleu pour cette base incroyable qu'on a totalement terminée. Bon, sauf là, les câbles électriques et les caisses, mais voilà, les caisses on en a trop là. D'ailleurs, attendez les amis, mais regardez, on peut voir au bout là-bas, regardez la base. C'est la fameuse base du mini-jeu, mais malheureusement, quand on veut y aller, ça ne, voilà, ça ne dit qu'il n'y a pas de zombies qui attaquent, voilà, alors que pourtant on voit bien des zombies qui attaquent, mais effectivement, il n'y en a qu'un seul, voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup les amis, comme je disais, de m'avoir suivi. N'oubliez pas qu'en dessous, le petit pouce bleu, ainsi que vous abonner à la chaîne, et surtout, n'oubliez pas, bien entendu, d'activer la cloche pour ne rien rater au niveau des vidéos sur la chaîne. En tout cas, merci à tous. C'était votre Jumper, le scientifique, et je vous dis du coup à très bientôt. Ciao les amis.